On est reparti sur le petit tour des opales. Genre une bataille ici. Alors pour déclencher une bataille, c'est ça. Là j'ai pas fait assez de bruit pour que tu m'en marches. Pas du tout. Ok. Bon, si je joue à port, j'espère qu'il y en a qui va TP sur moi. Voilà. Quand ils sont trop loin, l'avantage c'est qu'ils TP. Je compte pas m'enfuir. Hey, n'y arriverai pas seul. Ces gens étaient riches. Étaient. Aïe, mais j'entends de regarder le décor. Ok. Franchement, il y a un. Il doit entrer par là. Attention à ces pièges. Bah non, c'est pas une porte à ouvrir. Bizarre ça. Ça me paraît quand même l'entrée la plus probable. Non, c'est non, c'est trop petit ça. C'est trop petit. Mais non, j'étais pas mentir. Je cherche une entrée. Ah, pas mal ça. La porte. Voilà. Hé, hey, par ici. Attaque, venez à la dernière. Contre mon dieu.
Palladium. C'est sûr, le trésor. Ah, une flèche. Ah, bon. J'ai déjà ramassé, visiblement. Ensuite, une apparition. Et une aptitude. En haut de ce bâtiment. J'étais tout à l'heure, ok. Oh, c'est bien plus haut ça. Je dois pas passer par l'intérieur, visiblement. Voilà. Et derrière, je vais avoir de quoi casser. Ou sur le côté. Ok. Ça se passe pas. Bon. Ok. Quelle est l'astuce? Peut-être que en haut, j'ai un truc à faire tomber. Ah bah voilà. Ah, une cloche à faire tomber? C'est marrant ça. Ah non. C'est moi qui vais descendre. C'était juste la sortie, c'était pas l'entrée. Lame dorée, oh, c'est nouveau ça. Ah bah non, c'est pas nouveau parce que c'est le niveau d'objet. Fixation sur l'ennemi d'un explosif qui se déclenche un peu après. Possibilité de réorienter et éloigner la victime, les victimes, en maintenant les flèches directionnelles. Ok. Du coup, j'ai tout fait de cette zone. Yes. Tac, tac. Sinon il y a la fin de l'attaque. Yeah.
Tac. Une petite quête secondaire, on va voir si c'est encore un groupe qui se fait attaquer. Bête légendaire, ok. Ah, bon. Allez. Oroche, Rock, Fantôme. Comment tu fonctionnes, toi? Les points faibles, ok. Ça c'est fait. Oh, il prend très bien. Phase 2, j'imagine. Ah, oui, d'accord. Tu régènes toi. Ok, ça c'est fait. Bon, j'ai la barre de vie qui reste affichée. Ça sent le bug. Je pense que je vais garder cette barre de vie un petit moment. Ah oui, du coup j'ai pas le... j'ai pas d'interface. Ah si, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et du coup je pars sur cette direction là. Oui, je t'entends, je ne te vois pas, mais je t'entends. Tu es là. Tu t'étais venu m'encourager, c'est gentil. En fait, il peut pas être dans cette zone. Mais il y a un moment, tu me laisses. Qu'est-ce qu'il fait là? Je n'appuie plus sur la manette, hein, l'outil d'information. Par la caméra. Ok. Je peux diriger ma monture, s'il vous plaît? Merci. C'est pas des trucs bizarres. Ma monture est possédée ou ma manette, je ne sais pas. Au bout de l'arbre, au bout de l'arbre. Du coup, je retourne dans la mienne, j'imagine. J'avais pas tout fouillé tout à l'heure. Ok, une petite course sur les toits, j'imagine aussi. De manipulation, il faut pas appuyer sur A. Oh, tombe au même niveau.
J'ai cru voir monter. Ouais, yes. J'ai pris pas mal de retard du coup là. Oh là là. J'ai tout faux. J'appuie pas quand il faut appuyer. Et j'appuie quand il faut pas appuyer. Allez, on recommence. J'entends qu'il repop du coup. Bon. C'est parti. Là j'appuie pas. Ok. Mais il faut plier. Je devais aller, peut-être aller plus loin, mais je vais rattraper. Tac. Ah, il y en a deux côte à côte. Ok. Il n'y a que deux artefacts dans cette zone. Et l'autre, visiblement, c'est une malédiction. Tac, ok, je remonte. Et après j'essaie de faire un cercle. On a tout. Les gardes sont vigilants par ici. Bah ouais. Campement caché. Come on.
coup, j'étais venu là pourquoi? Pour une opale. J'arrive pas à sectionner. Voilà. Et je peux continuer pour la suite. De la scène. Oh, ils vont me mettre tout en haut, je crois. Empilement de pierre, visiblement. Est-ce qu'il est facile celui-là? Ok, ça j'aime pas. Il n'y a rien de droit de ce côté-là. Et je peux difficilement le rendre plus droit. Ça va être pire en pire en fait. Ok. Mais c'est qu'il va pas être simple celui-là. Même si je. Ça large, mais c'est pour savoir si jusqu'où je vais pouvoir aller juste en ne levant qu'une. J'ai des choses, ça serait commencer par la plus basse. La plus grosse. Sauf que le côté est vachement en biais. Celle-là est côté en biais aussi, mais pas assez prononcé pour remettre droit quoi. Ah, bon, je suis pas de... en face. Et pifomètre. Évidemment que ça va jamais tenir. De l'autre côté, ça va glisser. Ouais. Et si je commence direct par le côté lambier, ah, il a quoi, ils ont fait en sorte que, même en cédant, j'imagine. Oui, avec la manette pour faire ce genre de mouvement. C'est pas suffisant, et de très très loin, quoi.
pas beaucoup de côté plat. Lui il en a un mais... Quel intérêt. Quel intérêt. Tellement petit. J'ai jamais eu l'occasion d'utiliser deux pierres pour les caler entre elles, mais mais du coup j'aurais peut-être pas cette pierre pour... Astuce. Comment utiliser les touches? Tiens. Il m'intrigue celui-là quand même. Il y a un côté plat, donc celui-là... Ok, celui-là il a pas de côté plat. Que je peux le poser. Le problème c'est que j'arrive pas à ignorer, voilà. Oui, il a l'air de pas en avoir, ok. Celui-là. Que très peu. Mais c'est juste pour finir, quoi. À faire comme ça. Je m'obstine pour rien, je ne sais pas. Ce que je tente, ce que je veux expérimenter, c'est pas logique, mais je tente quand même. Que celui-là, oui, il y a un côté plat, mais il est censé être trop lourd. Il est où son côté plat? Juste à plat d'ailleurs, il dépasse ou pas? Où ça passe? Arrête de bouger! Arrête de bouger! Je sais pas si c'était comme ça, mais ça passe. Guido de Roca. Ok. Non, je crois que c'était pour donner une astuce. Tac. Aventure comme un con. Alors j'ai tranché et la tête s'est détachée du cou. Ah! Ton arène manque de public. Tes yeux te jouent des tours, païen. Ne vois-tu pas alentour tous mes admirateurs? Et je ne compte pas les décevoir. Saisis ton arme, entre dans mon arène et prépare-toi à être défait. Bah viens. Ok, sinon t'avais une entrée. Hein. Ah, tu ne t'échapperas pas, païen, car tu mourras séant. T'es noble, mais aussi bête que tes moutons. Noble français, noble, c'est ce que je cherche. Ok, donc je sais pas si c'est censé se passer comme ça, mais c'était rapide.